Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de micro-stratégie, nous allons parler de Nasdaq, nous allons parler des taux, les taxes que vous pouvez payer en crypto-monnaie. Alors, si tu es dans le domaine de la crypto-monnaie, tu dois regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. C'est important. L'analyse que je vais faire jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons parler aussi de la grande nouvelle de Baby Doge qui arrive. Quel impact elle aura? Nous ferons une petite analyse juste à la fin de cette vidéo. Alors rapidement, si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi rapidement et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons dans les jours à venir. Parce que sur ces chaînes, chaque jour, nous faisons une vidéo, nous faisons l'effort de faire une vidéo pour vous donner l'information, l'actualité dans le domaine de la crypto-monnaie, ce qui est très important. Alors, je vous invite aussi à nous rejoindre dans nos liens qui seront en description de cette vidéo, Telegram, Twitter, Instagram. Nous sommes en train d'organiser deux airdrops. Nous sommes en train d'organiser deux airdrops. Voilà la première qui se trouve dans notre channel, la première airdrop que nous sommes en train d'organiser. Nous allons donner 10 dollars à quelques membres de cliquer pour gagner. Et la deuxième airdrop, qui est celle-ci, que nous avons lancée encore hier. Donc, si vous n'êtes pas dans notre channel, vous êtes en train de rater assez de choses. Donc, premier airdrop, vous pouvez participer. Vous pouvez aussi participer. Deuxième airdrop, cela vous donne l'avantage d'être, voilà, d'être peut-être sélectionné dans l'un ou dans l'autre. Alors, profitez de l'occasion. Ici, il reste 13 jours pour la finition. Ici, il reste 27 jours. Le lien serait en dessous de la vidéo. Ou rentrez dans notre channel Telegram et vous cherchez celle-là pour y participer, pour gagner 10 dollars. Alors, rapidement, le marché des crypto-monnaies aujourd'hui est dans un bain de sang. Encore, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que semblerait-il que la Fed va faire sortir les taux d'intérêt. Bon, on ne sait pas. Tout le marché peut aller pour ou contre. Alors, donc, préparez-vous. Le marché peut aller vers le bas ou vers le haut. Mais bon, l'impact de toute façon en crypto-monnaie, l'adoption arrivera tôt ou tard. Alors, avant de commencer cette vidéo rapidement, je tiens à vous informer quelque chose. Voilà. Get.io est en train de faire quoi? Get.io est en train de faire du trading zéro tâche. C'est important, les gars. C'est-à-dire que nous savons que les échangeurs gagnent sur les frais de trading. Tu achètes, tu vends, tu achètes, tu vends. Alors, donc, ils sont en train de faire quoi? D'annuler ça pour un temps donné pour les membres de cette plateforme. Alors, je laisserai aussi le lien en dessous de cette vidéo pour ceux qui veulent créer leur compte. Et voilà, ceux qui veulent créer leur compte en ce sens-là. Alors, comme vous voyez très bien, ils expliquent clairement et simplement ici. Et voilà, les utilisateurs spéciaux de Get, tout le monde, apparemment tout le monde, et les plateformes, les terminaux au niveau du support API, etc., ils disent au niveau du spot trading, les parités qui sont trading free, c'est Bitcoin et le dollar USDT. Et ils ont donné d'autres parités aussi, pour le trading futur aussi ici. Alors donc, vous regardez très bien, vous allez voir que il donne plus d'avantages, en ce moment-là. Je crois bien, ça va durer, je sais pas, un mois, hein, oui, un mois, je crois bien, un mois. Alors donc, si vous avez un compte sur Get.io, alors c'est le moment de profiter pour ne pas payer les frais de trading. Oui, profitez, profitez-en. Rapidement, alors, la toute première information, c'est celle-ci. La toute première information, c'est celle-ci. On dit, voilà, le Colorado, les résidents du Colorado peuvent payer leurs taxes maintenant en crypto. En tout cas, vous voyez un peu ce qui se passe. L'adoption arrive, que nous le voulions ou pas. L'adoption vient en son temps. L'adoption des crypto-monnaies viendra à son temps, comme l'a dit quelqu'un. Les bonnes choses prennent du temps. Il faut les comprendre et après on les adopte. Quand on les adopte, alors restez dans le rythme de cette adoption. Donc, un État se décide d'accepter les crypto-monnaies. Ce n'est pas le premier état, ça ne serait pas la dernière état, bien sûr. Mais elle accepte d'accepter les crypto-monnaies comme pour payer les taxes, en crypto. C'est vraiment intéressant, la toute première information. Deuxième information, MicroStrategy que nous tous nous connaissons, une grande boîte financière qui, dans cette baisse des crypto-monnaies où les gens sont en train de pleurer, les gens sont en train de, voilà,
les gens sont tristes. Les gens se disent, oh, mon wallet a diminué de moins 20%, moins 30%. Ça peut être encore diminuer peut-être plus que ça, en attendant la décision de la Fed. Donc, en ce sens-là, au même moment que nous sommes en train de pleurer, toi qui me regardes, tu es en train de pleurer peut-être. Au même moment, il y a certaines sociétés stratégiques qui sont en train de se positionner, qui ont acheté dans cette baisse des crypto-monnaies 301 bitcoins, dont l'équivalent de 6 millions de dollars. Oui, près 6 millions de dollars. Alors les gars, bon, est-ce que ces personnes-là, ils sont malades ou ils ont de l'argent à jeter en l'air? Ou bien ils sont stratégiques? Ou bien ils sont en train de se positionner pour ne pas arriver trop tard dans un monde déjà trop vieux? Quand on voit très bien, ils ont déjà presque combien? Plus de 130 000 bitcoins. C'est beaucoup, les gars. Les sociétés qui peuvent, qui peuvent et qui négligent, demain, ils vont dire, ah, si je savais, ça c'est sûr. Ils diront, si je savais, demain, si c'est sûr, ça c'est sûr. Alors, maintenant, l'avant-dernière information ici, la Nasdaq est en train d'ouvrir ses services aux crypto-monnaies. Nous tous nous connaissons la Nasdaq, oh, s'il vous plaît. Quelqu'un peut pas dire ici qu'il ne connaît pas la Nasdaq, s'il vous plaît. C'est le service boursier américain. Alors, ils sont en train d'offrir, ils vont bientôt ouvrir leurs services pour le Bitcoin et l'Ethereum. Bon, les gars, quand nous analysons tout ça, nous voyons clairement que l'adoption est en train d'arriver. Elle est en train d'arriver en masse. Elle est en train d'arriver en masse parce que ces services financiers sont en train de rentrer. Les institutions étaient rentrées en 2000, je crois bien c'était en 2017, je ne sais pas trop, je ne suis pas bon en date. Et le prix des crypto-monnaies montait jusqu'à 60 000 dollars. Après, des choses sont venues et ils sont ressortis. Au même moment, quand ils rentrent là, c'est là-bas les gens achètent. Et quand ils sortent là, et eux sont en train de racheter, c'est là-bas les gens vendent. C'est bizarre. Les gars, apprenons, en crypto-monnaie là, c'est ce que j'ai dit toujours dans mon cours. C'est le mindset, la tête. Là, si tu n'as pas un bon mindset là, tu ne vas pas t'en sortir en crypto. Tu vas toujours acheter quand tout le monde achète. Et tu vas toujours vendre quand tout descend. Et tu perds toujours de l'argent. Tu perdras toujours de l'argent en ce sens-là. Donc prudence. Prudence. Si ces grandes boîtes sont en train de voir les crypto-monnaies avec cet œil-là, alors ce n'est pas nous maintenant d'aller courir pour vendre nos actifs. Alors rapidement, pour finir la vidéo, nous allons parler de quoi? Nous allons parler rapidement de cette annonce de Baby Doge. Semblerait-il que Baby Doge va lancer son swapper? Oui. Semblerait-il que Baby Doge va lancer son swapper aujourd'hui? Oui. Quel est l'impact que ça aura? Rapidement, on va faire une petite analyse. Ceux qui sont dans notre groupe Telegram, dans le grand groupe Telegram, pas dans le groupe VIP, dans le groupe Telegram, ils vont voir, vous allez voir clairement que la dernière fois, on a fait un chat voice, on disait, voilà, ça a déjà fait 2%. Le swapper qui arrive va aider plus Baby Doge, dépendant de la façon dont le swapper serait indirectement un concurrent à PancakeSwap, comme l'a été Shiba Swap avec Uniswap. Donc, parce que nous remarquons qu'il y a beaucoup de holders dans Baby Doge. Et quand Baby Doge va lancer son swapper, sûrement ça va contribuer plus au burn ici. Il doit avoir plus de burn. Ça va contribuer plus au burn parce qu'il y aura des transactions. Je ne sais pas comment ça va se faire. Et sûrement, il y aura des frais qui seront prélevés sur les transactions pour brûler, etc. Donc, ça serait encore plus intéressant. La communauté va vouloir utiliser le swapper de BabyDog parce que sans que nous voulons ou pas, la communauté BabyDog est très grande. Et tout le monde attend des grands listings. Tout le monde. Et le BabyDog est le meme coin le plus populaire dans la blockchain de Binance Smart Chain. Alors, si Binance veut valoriser un meme coin aussi dans un listing, peut-être elle se fera peut-être un jour un privilège. Je ne sais pas. Je n'ai pas la boue de cristal de laisser BabyDog parce que BabyDog est en train de valoriser la blockchain de Binance Smart Chain. Parce que, en ce sens, il y a plusieurs personnes qui sont des holders en ce sens. Regardez, il y a plus de 1 600 000 holders. 1 600 000 holders. Alors donc, je pense que gardons un œil sur le projet Baby Doge. Sûrement, les gens disent qu'elle va brûler des zéros. Je n'ai pas la boue de cristal pour dire cela. Mais tout ce que je sais, c'est que si elle continue de faire ce qu'elle est en train de faire,
comme Shiba Air a fait, qui sait, elle risque d'aller encore un peu plus loin. Parce que Babydog a une chance que Shiba peut-être n'a pas en ce moment. Shiba est déjà listé sur les grands échangeurs. Or, Babydog pas encore. Donc, quand les grands échangeurs vont commencer à regarder Babydog avec cet œil-là, alors, je suis pas sûr que ce prix restera toujours pareil. Merci et on se dit à la prochaine vidéo et ciao!